Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez probablement les Gremlins, ces adorables créatures grâce au film de Joe Dante de 1984 et sa suite. Ces adorables petites bêtes qui peuvent se transformer en créatures malicieuses et terrifiantes après avoir mangé après minuit. Mais saviez-vous que les Gremlins sont une véritable origine? Entrons ensemble dans la légende de ces adorables petites bêtes qui a pris source au début de la Première Guerre mondiale. Et n'oubliez pas, ne leur donnez jamais à manger après minuit. La légende débute au début de la Première Guerre mondiale jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale chez les aviateurs de la Royal Air Force. Ils disaient que des créatures qu'ils appelaient Gremlins manipulaient leurs appareils pour les dérégler, ce qui causa pas mal de pannes sur leur avion. Il y avait de nombreux témoignages et l'armée de l'air britannique ouvra une enquête et édita même un manuel à destination des pilotes pour gérer ces créatures. Les Gremlins seraient une petite créature qui adorait jouer avec les appareils comme des espèces de gnomes, tout comme dans le film d'ailleurs. Mais les premières histoires qui parlaient des Gremlins parlaient de créatures plutôt bienveillantes, qui étaient douées dans les technologies, bien plus que les humains, aidaient ainsi les hommes dans des nouvelles découvertes scientifiques. D'après la légende, ils auraient participé à l'invention de la machine à vapeur et ils auraient inspiré Benjamin Franklin lors de ses recherches sur l'électricité. Mais malheureusement, comme personne ne reconnaissait jamais leur influence, les Gremlins, blessés, se seraient alors retournés contre l'homme et dérégleraient leurs appareils pour se venger. Mais pour les aviateurs de la Première Guerre mondiale, ces dérèglements étaient souvent évoqués car ils amenaient à des situations dramatiques. D'ailleurs, dans le film de Joe Dante, Dick Futterman évoque les Gremlins qu'il aurait vus pendant la Seconde Guerre mondiale et qui auraient saboté son avion. Ces Gremlins. Petit diable qui détraque la mécanique, faut se méfier des étrangers, ils en mettent partout. C'est à cause de ces gremlins de merde que nos avions se faisaient descendre pendant la dernière. La deuxième guerre mondiale. On pensait que les avions les attiraient et qu'ils étaient responsables des dysfonctionnements des appareils. The Spectator, un journal britannique, publia un article où les membres de la Royal Naval Air Service en 1917 avaient détecté l'existence de hordes de lutins mystérieux et malveillants qui provoquaient des accidents inexplicables. On évoque également les Gremlins dans un épisode de la quatrième dimension de 1963 s'appelant Cauchemar à 20 000 pieds, où on peut y voir un Gremlins saccageant une aile de l'avion. Seul l'homme dans l'épisode le voyait et le reste des passagers pensaient l'homme fou. Je vous conseille vivement de regarder cet épisode qui vaut le détour. Un homme rapporta après un accident de 1923 que des petites créatures étaient dans l'avion et jouaient avec les commandes et ont ainsi cassé le moteur. La légende commença à se faire entendre partout et des aviateurs disent être harcelés par des créatures semblables qui provoquaient des pannes de moteur, des coupures de communication, des défaillances électriques et d'autres problèmes qu'un avion peut évidemment connaître. Les témoignages provenaient de différents endroits du monde, dans leurs bases anglaises, dont certaines se trouvaient à Malte, au Moyen-Orient ou en Inde. Le 10 avril 1929, un poème dans le journal de Malte en parlait. Le poème s'appelait « Aéroplane ». La plupart du temps, ces créatures ne causent que des désagréments mineurs, mais dans des cas exceptionnels, elles sont responsables d'accidents graves. Parfois, en vol, à pleine vitesse, les pilotes les voient s'agiter sur les ailes des avions, où ils essaient clairement de les détruire. Où ils les entendent trafiquer les moteurs et ont également été accusés d'avoir inhalé de l'essence des réservoirs de carburant, interféré avec les fréquences radio, écrasé le train d'atterrissage en vol, soufflé de la poussière ou du sable dans les conduites de carburant et d'équipement électrique, coupé des fils, enlevé des boutons et des vis, interféré avec des cadrans, appuyé sur des boutons et des interrupteurs, poussé des commandes, cassé les ailes, crever les pneus, marteler les fuselages, briser des vitres, enfin essayant vraiment de saboter l'avion. Parfois il faisait du bruit exprès, apparemment pour distraire l'équipage, surtout pendant les combats.
Ils les attendaient parler, glousser, chuchoter, rire et huer leurs victimes lorsqu'ils exécutent un tour qu'ils trouvent hilarant, en leur criant des railleries triomphales. On prétend même que ces créatures possèdent des pouvoirs télépathiques qui peuvent créer des hallucinations extrêmement réalistes dans l'esprit des victimes qui pensent soudainement voir une montagne immergée des nuages alors qu'il n'y a rien en bas. Parfois même, ils feraient des miracles. Sous leur influence, les îles bougent et dans de rares cas, elles peuvent faire disparaître des étoiles. En mai 1927, l'aviateur Charles Lindbergh a volé sans escale de New York à Paris dans son avion, le Spirit of Saint-Louis. En 1953, dans un livre faisant le bilan de ses mémoires, il décrit des expériences bizarres qu'il a gardées secrètes pendant des années lors de sa traversée de l'Atlantique, expliquant qu'il volait depuis 9 heures quand soudain, il semble être déconnecté de la réalité. Par la suite, plusieurs petits êtres sont apparus dans sa cabine, discutant avec lui et affichant des connaissances complexes, y compris la navigation et l'équipement. Cependant, il ne voulait pas du tout le blesser, mais l'aider à rester éveillé et le garder en sécurité tout au long du chemin. Apparemment, il n'est pas le seul à être aidé par ces créatures. D'autres histoires racontent que des fantômes aident les pilotes à éviter une catastrophe, ou les alertent lorsqu'ils doivent tourner, changer de cap ou d'altitude. La plupart des témoins estimaient que les créatures mesuraient environ 30 cm et les décrivaient généralement comme des gobelins en culotte verte, veste rouge, bottes et haut de forme. Mais certains, comme M. Lindbergh, ont déclaré avoir vu des formes élancées, apparence plus sinistre, détaillant leur corps blanc grisâtre, leurs grandes oreilles, leurs yeux rouges brillants, leurs cornes et leurs grandes bouches avec de nombreuses dents acérées. Si l'apparence de ces créatures varie d'une histoire à l'autre, tous s'accordent à dire qu'elles peuvent marcher à leur guise sur le fuselage d'un avion, contre des températures extrêmes et des vents violents. La méthode pour réaliser cet exploit reste un mystère. Certains prétendant qu'ils ont des ventouses aux pieds, d'autres affirmant que sous leurs semelles, il y a des crochets. À bien y penser, ce détail n'est pas très important, car la croyance populaire est que ces créatures n'ont pas d'ailes, et lorsqu'un avion s'écrase à cause de leur comportement, elles tomberaient bêtement. Beaucoup de gens peuvent décrire ces créatures et leur comportement rusé, mais ne comprennent pas toujours leur but. Ceux qui travaillent consciencieusement et prennent soin des appareils n'ont pas été épargnés par les créatures. D'autres pensent que chaque pilote, chaque mécanicien et chaque artilleur a sa propre créature dans tout ce qu'il fait, et certains pensent qu'ils sont attirés par l'arrogance et l'excès de confiance. Personne ne connaît vraiment les origines du mot Gremlins, mais en 1938, dans son livre The Hatta Woman with Wings, l'aviatrice Pauline Gower écrivit que l'Écosse était un territoire mystique et sauvage où les Gremlins brandissaient des ciseaux, coupaient les fils des biplans lorsque les pilotes s'envolaient dans les environs. Les créatures ont été plus prudentes au fil des ans, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, leur passion pour les avions les a incités à intensifier leurs activités et à faire plusieurs apparitions ultérieures. Une grande partie des témoignages est venue du personnel de la Royal Air Force, en particulier l'unité de reconnaissance photographique, qui a blâmé les Gremlins pour leurs événements inexplicables hors vol. La plupart des histoires de créatures malveillantes ont un rapport avec les avions britanniques. Mais une tragédie bizarre aux États-Unis en 1939, dont le mystère n'a toujours pas été résolu, intrigue. On raconte. Quelque chose de terrible est arrivé dans l'air, un jour de la fin de l'été 1939. Et à ce jour, l'incident est resté secret. Tout ce qui est connu est que l'avion de transport militaire a quitté la base aérienne de la marine navale de San Diego à 15h30. L'appareil et ses 13 hommes d'équipage faisant un vol de routine à Honolulu. 3 heures plus tard, alors que l'avion se trouvait au-dessus de l'océan Pacifique, un signal de détresse fut frénétiquement déclenché, puis le signal radio s'éteignit. Un peu plus tard, l'avion retourna à la base et effectua un atterrissage d'urgence. Les membres d'équipage au sol se précipitèrent vers l'appareil, mais quand ils montèrent à bord, ils furent horrifiés de découvrir 12 cadavres. Le seul survivant était le copilote qui, bien que grièvement blessé, était resté en vie assez longtemps pour ramener l'avion. Quelques minutes plus tard, il était mort lui aussi. Tous les corps avaient de grandes plaies béantes, et plus bizarre encore, le pilote et le copilote avaient vidé leur pistolet automatique Colt 45 sur quelque chose. Les douilles vides furent retrouvées, gisant sur le plancher de l'habitacle, et une forte odeur d'acide sulfurique se fit sentir. L'extérieur de l'avion avait été gravement endommagé, comme s'il avait été frappé par des missiles.
L'incident fut étouffé avec succès pendant 15 ans, puis il fut mis en lumière par l'enquêteur Robert Co. Gardner, qui l'apprit d'un témoin. Le mystère de ce que l'équipage a rencontré dans les airs cet après-midi de 1939 n'a jamais été résolu. La même année, un escadron de bombardiers britanniques servant en Inde a rencontré de graves problèmes avec l'avion. On les accusa même de sabotage. Au cours de l'été et de l'automne 1940, un escadron allemand a mené des raids aériens sur la Grande-Bretagne, au cours duquel de nombreuses histoires impliquant les Gremlins ont été rapportées. Des pilotes en guerre jurent avoir vu des créatures maléfiques couper leurs fils avec leurs dents ou saboter les instruments de vol. Certains croyaient alors que les Gremlins qui semblaient les chasser avaient de la sympathie pour leurs ennemis. Mais diverses enquêtes ont révélé que les avions ennemis avaient les mêmes problèmes mécaniques, similaires et tout aussi inexplicables. Les témoignages étaient si troublants et si nombreux que l'armée de l'air a ordonné une enquête. Peu de temps après, le lieutenant Percy Prune, un pilote imaginaire créé par le dessinateur Bill Hopper, a publié un manuel expliquant aux pilotes comment faire du mieux qu'il pouvait lorsqu'il rencontrait une créature. Vous voyez que dans cette histoire, le réel côtoie l'imaginaire et les légendes. La plupart des membres du personnel de la Royal Air Force ont donné des descriptions similaires des créatures, les décrivant comme des petites créatures bleues ou vertes de 15 à 18 cm de haut, avec des cornes sur la tête, ressemblant à des diables et de longues oreilles pointues, parfois couvertes de poils. Ils ont de grands pieds et semblent avoir un système spécial qui leur permet de marcher en toute sécurité dans la cabine d'un avion. Le rapport venant de Gibraltar disait qu'il était important de s'assurer que personne ne rentrait dans un avion après avoir vu la créature. Les spécialistes qui avaient étudié le phénomène durant quelques semaines ont conclué. À notre avis, les créatures observées dans la zone de Gibraltar ne peuvent guère être reconnues comme de vrais Gremlins. Elles peuvent probablement être considérées comme une espèce apparentée lointaine, qui s'est acclimatée aux conditions plus chaudes qui prévalent dans la zone méditerranéenne. En 1942, Hubert Griffith écrivit un article sur les Gremlins pour la Royal Air Force Magazine, expliquant qu'il avait découvert l'existence de la créature en compagnie d'un escadron de la Royal Air Force dans le nord de la Russie. À son grand étonnement, les pilotes parlaient des Gremlins librement et ils semblaient connaître toutes leurs coutumes. Sur la base de leurs observations, ils en ont déduit qu'il existe plusieurs espèces de Gremlins qui peuvent habiter les nuages, que certaines espèces terrifiantes n'apparaissent qu'au-dessus de 10 000 mètres d'altitude. Ils opèrent souvent en groupe, essayant d'incliner l'avion en mettant tout leur poids sur les ailes, le nez, dans le but apparent de faire s'écraser l'avion. Créatures meurtrières qui, une fois que la visibilité baisse, rentrent dans l'avion, alors que le pilote vole dans les nuages depuis un moment et qu'il ne voit plus la terre. La créature lui saute sur l'épaule et lui murmure à l'oreille. Vous êtes un imbécile de grosse tête. Vous êtes à l'envers. Une multitude de preuves semblait avoir été accumulées quant à leur existence. Pratiquement tous les hommes de la base prétendaient avoir eu des problèmes avec les Gremlins et chaque jour ils en parlaient. Les pilotes semblaient particulièrement affectés par le phénomène et même si peu d'entre eux en avaient réellement vu, les mitrailleurs, qui avaient apparemment l'habitude d'en recevoir un certain genre dans leur tourelle arrière et même parfois même d'en inviter, les décrivaient comme assez grands. Ils leur arrivaient à la hauteur du genou, soulignant qu'un seul d'entre eux suffisait à leur fournir compagnie et chaleur. Ils ne seraient donc pas tous néfastes. Un homme effectua son service militaire dans la Royal Air Force au Moyen-Orient, d'où certains soupçonnèrent l'origine des Gremlins. Son expérience personnelle avec les créatures l'ont forcé à effectuer un atterrissage d'urgence dans le désert libyen. En janvier 1942, après avoir été muté à Washington comme attaché à l'ambassade britannique, il écrit son premier roman pour enfants, The Gremlins, appelé Roald Dahl. L'auteur confia alors son manuscrit a signé Bernstein qui parlait des créatures et les décrivait comme des petites créatures espiègles. Le manuscrit fut envoyé à Walt Disney. Cette même année, Disney Studios décide de réaliser un court-métrage et prend soin de publier l'histoire dans le numéro de décembre du magazine Cosmopolitan pour assurer une certaine notoriété aux Gremlins avant la diffusion du dessin animé. Après la publication de cet article, des employés de l'Air Force se sont manifestés pour dire qu'ils avaient vu des créatures altérer leurs avions. Et un membre d'équipage a juré avoir vu créatures saboter les moteurs, provoquant le retour de l'avion à la base. De nombreux magazines ont ensuite fourni des rapports sur les Gremlins, les décrivant comme des farceurs amicaux qui font des farces aux pilotes. En 1943, A.W. Woosman Jones écrivit un article dans le journal The Spectator, expliquant que tout le monde, dans la Royal Air Force, du personnel de maintenance aux pilotes, avait été témoin des méfaits des Gremlins, et que leur existence était indiscutable. Le journaliste a expliqué la difficulté du pilote à repérer les créatures terrifiantes qui se cachaient souvent dans les coins les plus sombres de l'avion. Il a détaillé leurs mauvaises actions et a révélé un mystère.
il est sûr que les Gremlins ne s'écrasaient pas avec l'avion comme certains le pensaient. Ils disaient que alors que l'avion commençait à descendre, ils joignirent leurs mains, étendirent leurs grands pieds et descendirent lentement la tête la première vers la terre. Leurs grands chapeaux les aidaient à absorber les chocs à l'atterrissage. Ils en portent donc toujours un, probablement pour cette raison. Les descriptions de la créature semblent vraiment différer d'une histoire à l'autre. Au début des années 50, après une censure pour des raisons de sécurité nationale et de guerre froide, les témoignages de Gremlins ont commencé à diminuer. L'armée de l'air a alors créé une commission d'enquête pour faire face à ce phénomène inexpliqué. La plus célèbre de ces études secrètes est probablement le projet Green Book, qui recueillit et analysait des incidents et anomalies de causes inconnues. À cette époque, les mémos ont commencé à circuler parmi les officiers et les pilotes de l'Air Force, et les décourageant fortement de parler de Gremlins dans les bureaux du Strategic Air Command, qui commande toute l'armée de l'Air Force depuis 1946. Un ordre direct du général Curtis LeMay interdit de parler des Gremlins, déclarant « Il n'y a pas de Gremlins. Point. » En 1972, le célèbre folkloriste John W. Hazen rapporta l'une de ses expériences personnelles dans l'un de ses livres, racontant qu'un jour, alors qu'il se trouvait dans un avion, il avait découvert un câble rongé dans un endroit inaccessible qui portait des traces nettes dedans. Il regardait le fil intrigué quand soudain une voix surnaturelle et inhumaine s'était élevée du néant qui semblait sermonner quelqu'un. Combien de fois dois-je vous dire d'obéir aux ordres et de ne pas vous occuper de tâches pour lesquelles vous n'êtes pas qualifié? Voilà comment cela doit être fait. À ce moment-là, M. Hazen avait entendu un bruit étrange près de lui et un autre câble s'était cassé devant ses yeux qui portait les mêmes marques dedans. Au début des années 2010, un prêtre tentait de réconforter un ancien officier de marine qui venait de perdre sa femme lorsqu'il lui raconta une étrange histoire. En Irak, ses compagnons parlaient souvent des créatures étranges qu'ils pouvaient observer, possédant des pouvoirs étonnants et semblaient fascinés par les avions. L'officier ne l'avait jamais vu de ses propres yeux, mais une fois, il a vu une petite créature, noire, creuser un trou dans l'avion, comme si l'avion était fait de papier aluminium. Et un de ses amis, pilote, lui a dit avoir vu une petite créature assise sur l'une des ailes de l'avion, essayant d'arracher un morceau de sa queue alors qu'il survolait l'Irak au soleil couchant. Après quelques minutes, l'avion est devenu tellement instable qu'il a dû retourner sur son porte-avions d'origine. L'homme semblait connaître bien d'autres secrets et ne voulait pas en révéler davantage si le prêtre insistait. Il y a eu de nombreux témoignages de ces Gremlins. Pour moi, il s'agit clairement d'une légende sur fond de peur pendant la guerre. Le stress au combat et la haute altitude pouvant causer des hallucinations. Et les pannes mécaniques ne sont pas rares dans ces vieux appareils. Cela pourrait aussi être un mécanisme d'adaptation de l'esprit des aviateurs qui cherchaient d'où pouvaient venir tous ces problèmes mécaniques pendant les combats. Il est dur de trouver des informations vraiment fiables sur les témoignages. Il pourrait donc, et je le pense fortement, s'agir d'une légende urbaine. De nos jours, ces petites créatures bénéficient toujours d'une certaine notoriété. Et quand se produit une panne inexplicable, certains pensent encore qu'il peut s'agir l'œuvre d'un Gremlins. Et comme le dit le père dans le film Gremlins, si un appareil tombe en panne chez vous, regardez bien derrière, il pourrait s'agir d'un Gremlins. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!